Alors, plus précisément, dans le cas de Washington, alors, maman Marthe, née. Maman Marthe, née. Alors, puis, shop, Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un Congolais. On dit que tu es un salis à l'autre. Pour la Corée, on a un peu de bonheur. Pour la Zoto, on a un peu de bonheur. Pour la bonheur. Alors, puis, bio. Bio Africa Union. Et toi, t'es un peu de bonheur. Sinon, si tu es un peu de bonheur, tu es un peu de bonheur. Pour pas comprendre, ma Congolais, où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coréenne, à Pino Moko, pas pour la Coréenne, Coréenne, à Pédi. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Le numéro d'aujourd'hui est assez spécial parce que nous allons parler de l'actualité, c'est vrai. On va parler de la CENI, on parlera de la question de Banyamulenge et enfin, on parlera aussi de cette affaire de la Mouka. Vous le savez, Martin Fayulu n'a pas pu faire sa marche. Il a d'ailleurs été à un moment donné arrêté par la police. On a arrêté sa démarche et puis crevé les pneus. Et donc, il a demandé la réparation, parce que c'est un préjudice selon lui. Donc on parle finalement de tout ça, et je reçois l'un des brillants constitutionnalistes de notre pays, le professeur Jacques Njoli, professeur des universités, honorable député national, ancien sénateur. On parle avec lui finalement sur la question politique de notre pays. Prof, comment allez-vous? Ça va bien, Christian. Ça a toujours été un grand honneur pour moi de vous recevoir, mais surtout un grand exercice, parce qu'il faut capter l'intelligence, il faut capter la terminologie, c'est quand même assez difficile à un moment donné. Mais on va essayer d'être le plus potable possible pour l'ensemble de la communauté nationale qui nous écoute. D'accord. On vous a vu récemment dans le groupe des 13. Ce groupe a été critiqué par plusieurs personnes et qu'on estime que vous voulez refaire le dialogue bis en échouant de ramener les débats dans le cadre institutionnel. Est-ce que êtes-vous fier d'être dans ce groupe des 13? Sinon, c'est quoi son importance? C'est quoi cette occasion? Merci beaucoup. Je suis un peu, nous sommes parfois étonnés par l'absence de repères ou de référentières, pour ne pas dire de mémoire, dans le jeu politique congolais. Le groupe des 13 est né dans quel contexte? Nous sommes au mois de juillet. Le pays est en pleine crise institutionnelle à la suite de la loi dite Minakusakata, oui, et surtout de la désignation de Valonda. Valonda. La majorité est dans la rue, l'opposition est dans la rue, et nous au Parlement, on est carrément pris en otage par le peuple avec le Wewa qui nous entoure. Nous ne savons pas travailler. Il y a eu même mort d'un député. On est donc dans un contexte d'une pathologie extrême. Et c'est au cours de, durant ces moments que nous lançons un cri d'appel pour des réformes consensuelles et non des réformes qui mettent la société en phase de contradiction. Il y a eu de mort d'homme à Kinshasa. Il y a eu mort d'homme à Lubumbashi. Donc, c'est dans ce cadre, donc, dis-je, que nous lançons un appel pour de la forme consensuelle. Donc, et qu'est-ce que nous demandons? Que nous nous écoutions les uns les autres, que nous écoutions les forces sociales, et que nous dégageons un cadre matriciel de réforme pour améliorer notre système électoral. Est-ce que le problème, c'était la loi, ou le problème, c'est les humeurs des uns et des autres? Non, c'est... D'abord, tout part des élections de 2018, je dirais même de trois cycles électoraux,
qui reste toujours, qui donne toujours des résultats contestés. Et particulièrement le dernier cycle nous a amené à ce que nous avons aujourd'hui une alternance plus ou moins particulière ou atypique. Nous avons eu des contestations à tous les niveaux de l'ensemble du processus électoral. Et dans toute démocratie, il y a toujours trois phases. La phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale où on fait le rapport. La CENI a fait un rapport avec des recommandations sur les réformes. Nous n'en avons pas débattu à l'Assemblée et nous sommes passés directement à la désignation plus ou moins opaque d'un président de la CENI en violation de la loi organique sur la CENI, en violation du règlement intérieur de l'Assemblée. Et le président de la République, il faut l'oublier, n'a pas investi la personne qui a été désignée. Donc, il faut partir de fait. Et nous, nous proposons une thérapie pour sortir non simplement de la crise conjoncturelle, mais pour proposer un schéma susceptible de les amener à des élections apaisées, transparentes, justes. Mais que dit la loi exactement sur la question ? Quelle question ? La question de la désignation de Malunda, la question de l'ambiguïté électorale ou même de la complexité de notre question électorale. Que dit la loi pour... Mais la loi est claire. Oui. Pour désigner les animateurs de la CENI, il y a l'opposition, la majorité et la société civile. La société civile est organisée et nous sommes dans un contexte où, selon la loi, l'ancien bureau a terminé son mandat. Il faut donc refaire le bureau. Mais on ne peut pas refaire le bureau, refaire l'organisation, sans se référer à l'impératif de réforme. La réforme est une nécessité biologique. Donc, nous avons reçu le rapport, on devait le débattre au mois de mars. Et c'est au cours de cette évaluation que nous allions proposer de réformes. Les réformes que nous portons, pour la plupart, sont dans les cahiers des charges remis par la CENI. Mais nous n'avons pas débattu du rapport. Subitement, on a désigné, de manière atypique, un président de la CENI en violation même de la loi existante. Alors, et ce qui a créé la tension. Alors c'est une forfaiture. Pourquoi ne pas régler ça au sein de l'Assemblée nationale ? Pourquoi il faut 13 personnes pour parler d'une question qui existe déjà dans la loi et dont les solutions sont là ? Non. D'abord, régler dans l'Assemblée nationale, alors que le problème n'était plus un problème de l'Assemblée, c'était devenu un problème sociétal. D'accord. Donc, nous sommes... La contestation de ces messieurs n'était plus un problème de l'Assemblée. C'était un problème de toute la société. Les gens étaient dans la rue, y compris la majorité, y compris l'opposition. Mon président, Jean-Pierre Bemba, avait mobilisé plus d'un million de personnes à Massine à les amener. Donc, il ne faut pas réduire à un problème microcosmique d'un Parlement un problème qui concerne le mode d'accès au pouvoir. La crise que nous traversons dans ces pays, c'est une crise de légitimité, c'est ce que dit la Constitution. Donc, ce n'est pas un problème de 3-4 personnes ou 400 personnes, c'est un problème de tous les Congolais. On accuse les intellectuels congolais de ne pas cerner la problématique, mais de plutôt servir de béquille au pouvoir. Qui accuse les intellectuels ? Les intellectuels belges, français, oui, américains, la communauté internationale. Alors, allons-y doucement. Oui. Les Belges, ils ont fait plus de... presque une année sans gouvernement, 2 ans. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont proposé comme solution ? Mais c'est eux que vous prenez pour exemple lorsqu'ils vous ont envoyé le professeur de Liège pour vous réunir tous pour parler de la question. Quel professeur de Liège a le professeur Kabamba. Mais ça s'est terminé comment ? Oui. Ça s'est terminé comment ? Il a réuni les gens ? Ben, il n'a pas réuni les gens. Il n'a pas réuni parce que les Congolais ont dit non. Et les groupes de 13 parlementaires sont des Congolais. Nous avons le pouvoir, les devoirs de réfléchir sur notre organisation politique. C'est un devoir constitutionnel. Il ne faut pas qu'on puisse imposer aux gens
ce qu'ils doivent dire. Et vous 13, on vous accuse encore que parmi vous, il n'y a aucun expert électoral. Vous êtes des professeurs de constitution, des acteurs politiques. C'est quoi un expert électoral? Ceux qui ont appris les élections. Ils ont appris ça où? Moi, je suis professeur de droit constitutionnel. Mais ça ne fait pas de vous un professeur électoral. Non, le droit électoral, c'est une branche du droit constitutionnel. Vous, peut-être, et les autres, alors. Mais ils sont des acteurs politiques, ils sont des parlementaires. Alors, les parlementaires qui doivent débattre de la question au Parlement, ils sont docteurs ou spécialistes en ingénierie électorale. L'élection, c'est un droit civil, c'est un droit politique reconnu à tout individu. C'est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, à l'article 21. Tout homme a le droit de désigner les personnes qui vont conduire à ses destinées. Là, ne pose pas le problème, c'est dans la machine que ça pose un problème. Quelle machine? Comment ça va se passer? Qui élit? Quand on élit? Comment ça se fait pour savoir qui a élu? Quand on suit, par exemple, le professeur Essambo, il estime que la structure même, elle est mauvaise. Donc, quelle structure? La structure de la CENI elle-même, même son organisation, elle est mauvaise. Mais si le professeur Essambo le dit, et les autres professeurs n'ont pas le droit de le dire, ou tout citoyen. Ce n'est pas un problème élitiste. C'est un problème national. Si vous prenez notre constitution, à l'exposé de motifs, voyez, je ne vois pas l'exposé de motifs ici, mais peut-être chez vous, lisez les exposés de motifs. Oui, on est dans exposé. Depuis l'entrée en vigueur, le 18 février 2006, de la constitution de la République. Non, ça c'est la révision. Ah, d'accord. Oui. Alors c'est que, bon là, depuis son indépendance, le 30 juin 1960, la RDC est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Voilà, ça c'est la matrice de notre dévoiement étatique. Oui. Donc, tant que nous n'aurons pas résolu la question de la légitimité des animateurs. Et cette question doit être résolue par le mode d'accès, c'est-à-dire les conditions d'organisation des élections. Oui. Nous n'allons pas nous en sortir. Mais c'est là que ça pose un véritable problème. Oui. Parce que j'ai participé à une conférence des professeurs et tout ça sur la question des élections. Ils disent tous que tout est faux chez nous. En termes de nombre d'électeurs, c'est faux. En termes d'organisation, c'est encore faux. Le scrutin, c'est encore faux. Finalement, tout est faux. Est-ce qu'on était très mal parti déjà sur la question? Mais c'est justement, vous rejoignez les thématiques et les problématiques soulevées par notre équipe, qui n'est qu'une équipe des citoyens congolais, donc qui ne réclame d'aucune légitimité, sinon celle d'être des Congolais qui veulent qu'on réfléchisse sur les questions que vous posez. L'ensemble de notre processus électoral doit être revu. Vous avez parlé de la question de l'identification des électeurs. Oui. Chaque année, il y a des problèmes. On a plus ou moins 16 à 25% d'électeurs flottants. Deuxièmement, l'ensemble, le coût même des élections, ça avoisine 1 milliard dans un délai très court qu'il faut chercher dans un pays extrêmement pauvre. Les conditions d'organisation des élections ne sont pas consensuelles. Les conditions de transfert des résultats sont contestées. Même les contentieux électoraux, nous avons assisté à ce qu'on appelle les erreurs matérielles. N'est-ce pas? Donc, il est important, comme peuple, comme nation, comme citoyen, que nous puissions réfléchir librement, sans aller à Liège, pour que nous nous retrouvions, pour parler sereinement, sans tabou, sans parti pris, mais dans une forme de transcendance sur ces questions. Donc, c'est tout simplement ce que nous avons essayé de faire. Nous avons consulté tout le monde, les chefs de l'État, le gouvernement, les partis politiques, ce qu'ils ont bien voulu, la société civile, les églises, et nous sommes arrivés pratiquement à un même diagnostic avec tout le monde, c'est que il faut des réformes ordonnées, mais surtout consensuelles. Comment ça va se passer, ces réformes? Mais nous avons fait une proposition. Il y a des propositions de loi qui ont été faites. Il y a notre collègue Loutundoula qui a fait une proposition de loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI.
L'adoption de ces textes-là va nous permettre d'avoir un organe électoral neutre, impartial, qui bénéficie de la confiance des citoyens. Alors, je me rappelle que, professeur Angeli, vous nous avez enseigné, parce que vous m'avez personnellement enseigné plus, pendant 5 ans à l'université, le droit constitutionnel et bien d'autres cours aussi. Vous nous dites que dans une république, c'est l'État qui garantit la tranquillité, la sécurité, la confiance et bien d'autres choses. Mais comment aujourd'hui vous vous inscrivez dans une démarche qui consacre à un département détaché de l'État pour organiser les élections? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire tout simplement que la République ne peut plus garantir la sécurité aux gens? Pourquoi ne pas faire en sorte que le ministère de l'Intérieur organise les élections? Très bonne question. Mais pourquoi on a quitté le ministère de l'Intérieur? Les organisations ou les organes de gestion électorale sont de plusieurs sortes. Il y a des États qui font confiance à leur ministère de l'Intérieur et qui, dans la neutralité, comme vous dites, assurent la gestion du processus électoral sans parti pris. Mais ce n'est pas très souvent le cas en Afrique. C'est comme ça que c'est une innovation africaine de créer des organes de gestion électorale comme organes d'appui. Le modèle est venu de l'Afrique du Sud, il y a aussi le Nigeria. L'idéal aurait été que ce soit le ministère de l'Intérieur. Mais pourquoi vous ne travaillez pas pour la confiance de l'État? Mais est-ce que le ministre de l'Intérieur lui-même inspire confiance? C'est ça la question. Est-ce que le problème c'est le ministère ou c'est le pouvoir lui-même? Non, le pouvoir, c'est l'architecture, mais c'est aussi la dimension anthropologique, ce qui anime ces institutions. Oui, la question donc, c'est la question de, oui, c'est la question de confiance. Oui. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas un État impartial. Vous le savez. Nous avons un État qui est au service d'un groupe. Et on a cru, et on a vu ailleurs, au Nigeria, ou dans l'ensemble des pays africains, l'irruption de ces organes de gestion électorale qui doivent, dans l'impartialité, dans la neutralité, amener le processus électoral. Mais souvent, ça n'a pas toujours été le cas. Nous, on a essayé 3 fois l'expérience, ça n'a pas marché. Pourquoi faut continuer avec une expérience qui ne marche pas? Pourquoi ne pas remettre les choses à leur place? Remettre à qui? Au ministère de l'Intérieur, à l'État. Le ministère de l'Intérieur doit d'abord... La question, ce n'est pas l'architecture. La question, c'est la confiance qu'il faut inspirer. Si aujourd'hui, vous, Congolais, vous dites que M. Kankonde peut vous organiser des élections libre et transparente, mais allons, assumons-le. Mais jusqu'aujourd'hui, la Constitution, telle qu'elle est articulée, fait que c'est la CENI, mais qui doit être composée de manière paritaire. Le modèle existe, ça fonctionne au Nigeria, ça fonctionne en Afrique du Sud, ça fonctionne au Ghana. Le Ghana est aujourd'hui un des pays qui organise les meilleures élections. Ça fonctionne en île Maurice, j'y ai été. Ça fonctionne même en Mozambique. Mais chez nous, les problème, c'est dans la substantialité déséquilibrée. Vous avez une majorité qui veut être majoritaire au sein de la CENI et une opposition. Et toutes ces questions sont prises en charge dans les réflexions que nous avons eues où, un, on propose d'abord, dans les choix des personnes, que nous ayons, comme dit la loi, dit la CENI est composée des personnalité indépendante. La question essentielle, c'est qui une personnalité indépendante? Est-ce que les gens qui sont désignés par les partis politiques, l'expérience montre... Ils ne sont pas indépendants. Indépendants. Oui. Alors, il dit, il faut que ça soit la société civile. Mais vous vivez avec nous, la société civile, ça pose déjà aussi un certain nombre de problèmes. Alors, il faut chercher la réponse. Les hommes d'église? Les hommes des églises, mais nous avons eu des hommes des églises, de toutes les églises, on voit ce que ça a donné. Donc, en fait, la question de la neutralité, techniquement, découlera de la neutralisation. Ça veut dire quoi? Si vous avez une CENI paritaire, 3 de l'opposition, 3 de la majorité et 3 de la société civile, vous avez un organe collégial paritaire. C'est comme ça que se joue. Donc la neutralité déduite de la neutralisation. Deuxième élément qui a été mis dans la loi de Tundula, c'est faire en sorte que, outre la parité,
que des personnalités indépendantes, que nous puissions déterminer un critère. C'est-à-dire, si quelqu'un a été un acteur politique majeur, qui a participé aux élections sous une couleur politique les 5 ou 10 années, donc on ne peut pas dire que tu es indépendant. Donc, il faut prendre ces critères objectifs. Ça a pu jouer, on a vu dans les cas de dernière consultation des églises, il y a un pasteur d'une très bonne qualité, ayant de bonnes qualités managériales, mais qui a été candidat d'un parti politique. Ça posait problème. Il y a aussi les membres de la société civile qui vont aux élections, après avoir échoué aux élections, ils redeviennent société civile. Donc, il faut qu'on règle ces questions-là. Mais tout ça traduit une chose, Christian, l'absence de confiance. Nous sommes dans une société de méfiance et c'est là où il faut travailler. Mais on ne peut pas aller aux élections de 2023 dans les mêmes conditions, avec le même handicap que nous avons eu en 2018. Un processus électoral, c'est une expérience, ce n'est pas un événement. Donc, il faut tirer les leçons et chaque fois avancer. C'est ce que nous avons essayé de faire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez faire l'unanimité quand on sait que le FCC refuse finalement cette qualité-là? Ils disent que le lieu, le cadre important, c'était à l'Assemblée nationale ou dans un cadre institutionnel. Mais vous êtes sorti des institutions pour aller discuter de cette question-là. Comment vous allez faire pour ramener le FCC dans les accords, dans vos accords? D'abord, la position du FCC est compréhensible. C'est eux qui jouissent, n'est-ce pas, de ce déséquilibre qui leur permet, n'est-ce pas, de contrôler l'ensemble du système. Donc, ce que nous posons comme mécanisme de rééquilibrage, c'est pratiquement... aux antipodes. Ça pose problème. Mais nous essayons de faire comprendre que vaut mieux perdre de bonnes élections que gagner de mauvaises élections. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, ils ont l'impression d'être favorisés, mais ils ont vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, le pays est en crise parce que nous avons une coalition atypique, consécutive au contexte ou au mécanisme du déroulement des dernières élections. Donc, nous avons l'obligation citoyenne, civique, au-delà de notre de nos appartenances, de construire un système électoral efficace, pertinent et égalitaire. Et ça, ça n'a rien à voir avec l'FCC ou autre. Mais au-delà de cela, nous rencontrons des amis du FCC qui sont conscients qu'il faut une réforme électorale consensuelle. Et ce n'est qu'une question de temps. Mais je répète encore, la démarche que nous avons initiée n'est pas une démarche minoritaire, c'est une démarche qui découle de la volonté de la société congolaise de revoir les modes d'organisation des élections pour qu'ils puissent voter. Alors, vous savez, je vais vous donner un indicateur. En 2006, le taux de participation aux élections, c'était plus ou moins 65%. En 2011, le taux de participation tombe à 52%. En 2018, le taux de participation est de 44-45%. Donc, je reviens de vacances de Boindé. Les gens me posent la question aujourd'hui. Honorable, est-ce que nous devons encore aller voter pour qu'à la fin, on proclame les gens que nous n'avons pas voté? C'est ça la question. Et il y a une forte crise de confiance dans les institutions. Vous me parlez du Parlement, il faut demander aux citoyens ce qu'ils pensent de notre Parlement. Pourtant, vous continuez à être membre de ces parlements. Oui, parce que moi, j'estime que j'ai été vraiment élu et j'assume ma mission. Et les autres disent la même chose aussi. Mais c'est très bien, mais chacun sait ce qui s'est passé. Et nous, on ne le saura jamais finalement. Vous le savez. Ouais. Les Congolais savent qui ils ont voté, aussi bien à l'élection présidentielle qu'à l'élection. Vous avez été voir le président Félix Tshisekedi. Oui. Mais on ne vous a pas vu chez Kabila. Est-ce que vous le sous-estimez? Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas un acteur majeur dans la question? Est-ce que vous pensez que vous pouvez régler autrement la chose ou vous avez été bloqué par leur méfiance à eux? Vous avez répondu à la question. Le président honoraire Joseph Kabila est juridiquement le chef de la majorité parlementaire. Et il est en diarchie de gestion de l'exécutif avec le président Félix Tshisekedi. Nous avons, sur pied de l'article 169, commencé par le président de la République, Félix Tshisekedi,
en sa qualité de garant de bon fonctionnement des institutions. Et nous lui avons fait part de notre démarche et il a compris l'ensemble de cette démarche. Nous avons voulu, et nous voulons encore voir le président Kabila, en sa qualité de leader et d'autorité morale de la majorité au Parlement. Donc, nous sommes demandeurs parce que nous savons que le mécanisme de gestion électorale ne peut pas être un mécanisme de uns et comme des autres. Mais nous ne pouvons pas accepter d'avoir un système électoral défectueux qui donne naissance à des institutions en béquille, et des institutions en béquille ne peuvent donner que d'inefficacité et l'aggravation de la pauvreté. Alors, il y a aussi un autre élément, c'est le clientélisme électoral. Oui. Est-ce que vous avez pensé à ça dans vos assises, dans vos réflexions? Est-ce qu'il est normal aujourd'hui que quelqu'un postule à deux endroits différents? Est-ce qu'il est aujourd'hui convenable que quelqu'un postule sans connaître ses suppléants et à la fin des comptes, il n'est pas un sénateur, c'est sa femme qui est sénateur, il devient député, c'est son fils qui est suppléant. Quand il arrive, quand il traverse du coup à l'exécutif, c'est son jeune frère qui reste dedans. Est-ce que vous avez pensé à ce clientélisme électoral? Comment avez-vous pensé pour résoudre cette crise ou ces problèmes-là? C'est pourquoi nous conseillons toujours aux amis qui critiquent notre démarche d'abord lire notre texte. Ce document sur le consensus sur la réforme électorale, je peux l'avoir oui, dit. Qui est, n'est-ce pas, le fruit de nos cogitations, de nos consultations, nous a mené à serrer quatre axes de réforme. D'accord. D'abord, l'axe loi organique, c'est-à-dire les débats que nous avons eus sur la CENI. Les questions de savoir si la CENI, dans l'état actuel, peut résoudre la question de nos élections. La réponse est globalement non. Il faut améliorer la loi organique. Et c'est le travail de la loi qui a été portée par notre collègue Loutoudoula que nous soutenons, pour avoir une CENI qui inspire confiance, une CENI impartiale, une CENI neutre, une CENI apolitique. Et ça, c'est le premier aspect organique. La deuxième approche, et c'est ce que vous abordez, c'est la loi électorale. Notre loi électorale a posé énormément de problèmes. Nous avons parlé, nous proposons à cet effet plus ou moins 21 réformes. La réforme d'abord part de l'identification des électeurs. Est-ce que c'est normal que nous puissions chaque année dépenser 400 millions de dollars pour identifier, acheter des machines à identifier, puis nous jetons? Donc, il faut résoudre la question de l'identification du recensement des Congolais. Et là, nous avons rencontré l'ONIP, nous avons rencontré les organisations internationales qui nous a assuré qu'à moins de 3 ans, nous pouvons mutualiser les efforts et les acquis de la CENI et de l'ONIP pour que nous ayons ce qu'on appelle les recensements administratifs qui va nous permettre d'extraire la liste électorale qui sera beaucoup plus crédible et fiable. À côté de cette question, il y a d'autres mécanismes techniques, notamment le seuil qui a été d'une opacité grave. Il y a la question des circonscriptions électorales, de la cartographie. Il y a la question du transfert des résultats, de la traçabilité du bureau de vote jusqu'au Centre national des centralisations des résultats. Nous avons abordé ces questions en termes de traçabilité, de segmentation de chaque axe. On doit savoir la question du contentieux électoral, nous l'abordons. La question, donc toutes ces questions, et surtout la question que vous posez, du mode de scrutin, est-ce qu'on peut continuer avec la proportionnelle qui est incompréhensible pour l'ensemble du peuple, ou le scrutin majoritaire. Mais surtout, la question de la confiance et de la corruption du système. Vous avez vu comment les gouverneurs ont été élus, et les sénateurs. Ouais. Voilà, est-ce qu'on peut rester insensible à cela? Il faut résoudre. Nous avons proposé des mécanismes d'impérativisation, qu'il faut l'appeler, du choix de députés provinciaux sur les gouverneurs. Nous avons aussi abordé la question de deux tours, qu'il faudra réfléchir pour revenir à la question, au scrutin majoritaire à deux tours.
comme c'était prévu par les constitutions originaires. Et puis, il y a cette question honteuse où le mari part, il laisse sa femme. On ne sait pas si on appelle ça le clientélisme, le népotisme. Non, ça c'est un népotisme le plus abject. Des enfants qui deviennent des sénateurs. Et tout cela qui finalement transforme l'État en une forme de dépouille où chacun, dans une même famille, vient se servir. Ouais. Donc, il faut résoudre toutes ces questions. Donc, mais comment vous allez résoudre ça, par exemple, sur le népotisme? Non, nous avons, par exemple, interdit dans la proposition de loi que le suppléant soit un descendant ou un ascendant jusqu'au troisième degré. Par exemple. Voilà. Ça donc, ça résout. Nous avons résolu cette question, la question de seuil. Donc, nous avons proposé toute une série de pistes, je parle bien des pistes, pour que finalement, ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'on discute au sein du Parlement. Donc, nous ne sommes pas arrêtés à faire le tour. Nous avons déposé une proposition de loi qui vise plus ou moins 70 articles. Et la question de la moralité, professeur, comment voulez-vous qu'un député qui a battu campagne en disant à ses électeurs que je veux me battre pour vous, je parlerai pour vous, or il a des ambitions pour devenir ministre. Et quand il arrive député, il va au ministère. Et s'il détourne, et que parce qu'au Congo, il faut qu'on se le dise, la meilleure sanction du vol ou du détournement, c'est généralement la révocation, ou alors au pire des cas, c'est le remplacement tout simplement, alors il va reprendre sa place au Parlement. Comment quelqu'un qui a été député sur base des élections du peuple se retrouve ministre et quand il détourne, on le renvoie et puis il retourne encore à l'Assemblée nationale. Pourquoi ne pas empêcher ce jeu d'aller et de retour? Mais on ne peut l'empêcher que par les mécanismes judiciaires qui sont dans la loi. Vous avez prévu ça? Oui, d'abord l'article 10 lui-même prévoit, lorsqu'on est condamné à une peine d'emprisonnement ou de servitude pénale au-delà de 3 mois ou d'une année, on ne peut plus revenir. Non, mais là, là on ne vous arrête pas. Non, mais Congo, quand vous avez détourné et qu'on entend le bruit du détournement, on vous révoque tout simplement. Non, là, vous me posez un problème de l'indépendance du pouvoir judiciaire. La révocation, c'est une sanction administrative. Oui. Ça n'empêche pas au parquet d'ouvrir une action pénale. Donc, je suis d'accord avec nous, la pathologie est générale. Oui. Mais nous avons saisi la dimension électorale. Très bien. C'est-à-dire les conditions d'accès au pouvoir. Si les conditions d'accès au pouvoir ne sont pas saines, si les conditions d'organisation des élections ne sont pas consensuelles, nous aurons toujours des institutions en béquille et les institutions en béquille ne peuvent pas produire les développements. Vous allez voir que nous sommes bénis par le Dieu. Nous sommes une des nations les plus riches du monde, mais nous avons un peuple le plus pauvre à cause de la qualité de nos institutions, à la cause de la qualité de notre leadership qui est totalement défaillant. Est-ce qu'aujourd'hui, la solution, par exemple, à la corruption au niveau électoral, c'est faire élire le gouverneur au suffrage universel direct comme le président de la République, vous pensez, et les sénateurs? Il y a eu une forte tendance dans les négociations vers cette option, mais il faut aussi remettre la question en tenant compte dans les contextes congolais où il y a des vulnérabilités. Si vous avez un gouverneur qui est élu au suffrage universel direct, il aura énormément d'importance que dans la fragilité de l'unité du pays, ça peut poser des problèmes. Et ça nous amenait à une autre difficulté technique, c'est-à-dire la révision de la Constitution, parce que le mode d'élection du président, du gouverneur, comme des sénateurs, ces modes-là sont consacrés dans la Constitution. Oui. Alors nous avons résolu ça de manière technique suivante, c'est-à-dire les députés provinciaux qui vont aux élections vont dans un ticket avec comme tête de liste un gouverneur. De sorte que lorsque vous élisez ces députés-là, ils sont liés, ce que j'ai appelé l'impérativisation du choix, ils sont liés par ces députés. De sorte que au premier tour, nous aurons les députés qui sont élus avec en tête leur candidat gouverneur. Et au deuxième tour, lorsqu'ils viendront,
ils viendront tout simplement suivre l'impératif du peuple. C'est un peu comme ça. Est-ce qu'il y a une contrainte après? Et s'ils ne le font pas, quelle est la contrainte? Mais ça se décompte automatiquement. Donc, si la liste A a 12 députés, s'il a la majorité absolue, automatiquement, le jour du vote, on va constater. Donc, il n'y aura pas moyen de redevenir indépendant ou d'aller prendre l'argent. Est-ce qu'il n'y aura pas l'entorse à la Constitution par rapport au choix? Parce qu'il faut qu'il batte campagne. La loi prévoit qu'il batte campagne. Mais il va battre campagne parce que le gouverneur est élu au sein ou en dehors de l'Assemblée nationale. Donc, il peut ne pas être candidat député provincial, mais les députés provinciaux désigneront leur chef de file. C'est un peu comme le mode s'est fait à Paris. Donc, les candidats aux élections municipales sont autour d'un candidat. Et lorsque la liste, par exemple, MLC gagne, on sait que l'MLC positionne comme tête de liste le candidat X. Donc, c'est un mécanisme d'un vote lié que nous voulons mettre sans, n'est-ce pas, toucher à l'esprit, mais surtout à la lettre de la Constitution. Je crois que je prendrai le temps de lire pour vous organiser le temps de lire, une autre émission mieux élaborée. Là, je serai outillé pour mais j'en profite déjà pour vous remettre professeur Jacques Joly, le document. Oui, je me mets à le lire et je vous reviendrai. Avec plaisir. Alors, que devient Jean-Pierre Bemba dans tout ça? Sa situation? Jean-Pierre Bemba a été... il est là. Au moment où nous parlons, il est en train de mener une campagne de pacification. Dans le sud Ubangi où les communautés étaient en train de s'affronter. Jean-Pierre Bemba, membre du présidium de la Mouka, et il y a deux jours, il y a eu, n'est-ce pas, passation de pouvoir au sein de la coordination. Jean-Pierre Bemba a participé aux discussions et nous a encouragés dans l'élaboration de ces consensus. Jean-Pierre Bemba est convaincu et a demandé à ses députés de faire tout pour que les réformes proposées par le groupe de 13 puissent être discutées au Parlement et que nous ayons un système électoral juste. Et sa situation à lui, sa situation électorale et ses ambitions présidentielles, est-ce qu'il est toujours, il peut être repris après les réformes? Est-ce que c'est juste que nous ayons un système électoral qui exclut de manière arbitraire certains de ses fils? Ce n'est pas correct. Vous allez à l'encontre de l'argumentaire du professeur Nyabirungu? Je ne veux pas faire ce débat de cabaret. Nous savons tous dans quelles conditions la candidature de Jean-Pierre Bemba, de Moïse Katumbi ont été exclus. Je crois qu'un pays qui aspire à la démocratie doit avoir des élections inclusives. Et nous devons tous travailler pour l'inclusivité, parce que l'inclusivité donne l'apaisement et la paix. Je vais prendre Mozito, je mettrai de côté, mais je garde Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Ils ont tous été condamnés, en fait. Alors, est-ce que les condamnations vont tomber? Ils sont condamnés par qui? Par la justice, vous Quelle le savez. Quelle justice? Congolaise. Jean-Pierre Bemba n'a jamais été condamné par la justice congolaise. Mais l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui l'a mis à côté. Vous savez dans quelles conditions cet arrêt a été obtenu? Il y a même de juristes qui ont publié des professeurs pour dire que c'est un véritable dol. Mais pourtant, l'arrêt est inattaquable, opposable au regard omnes. Qu'allez-vous faire? Mais ce n'est pas un problème, d'autant plus que ceux qui ont conduit cette malveillance, Jean-Pierre Bemba va présenter sa candidature en 2023. Nous espérons que grâce à le nouvel état d'esprit, nous allons avancer. Vous savez, il y a... Mais comment il va présenter sa candidature alors que vous n'avez pas encore débattu dans la Mouka? Pardon? Vous n'avez pas encore débattu cette question dans la Mouka? Comment Jean-Pierre Bemba va poser sa candidature? Mais où est le problème? La Mouka, c'est une plateforme électorale qui peut décider, comme à Genève, d'avoir un seul candidat ou qui peut décider d'avoir plusieurs candidats. Il n'y a pas de problème. Chaque membre de la Mouka ne se bat pas pour être candidat. Les membres de la Mouka se battent pour avoir un processus électoral crédible. Alors, on va parler de la Mouka avant de partir dans la question Minembwe, qui est très importante d'ailleurs. Pourquoi ce revirement de 3 mois à 6 mois? Pourquoi? Est-ce que c'est consensuel? Vous êtes entendu comme ça? Les textes le disent? Ou c'est les humeurs des uns et des autres? La Mouka a une structure, ou des structures. Il y a le présidium,
Il y a la cellule politique et la coordination et les secrétariats. 3 mois ne nous offraient pas ou n'offraient pas une perspective de gestion sereine. Et avec l'expérience, ils ont révisé le texte pour passer maintenant de 3 mois à 6 mois. Donc, c'est consensuel. C'est consensuel. Est-ce Ça a été signé par tous les quatre. Est-ce que Jean-Pierre Bemba est toujours membre de la MOUCA? Mais oui. Et Moïse Katumbi aussi? Tout à fait. Mais pourquoi ils ne prennent pas part depuis très longtemps? On n'a jamais vu Jean-Pierre Bemba, Martin Fayulu, Katumbi sur un même podium ou sur 2, 3 podiums. Jamais. Après Mais les vous savez, nous, depuis le mois de mars, nous sommes en plein Covid. Ils vont se rencontrer comment? Mais ça n'empêche pas Mouzit et Fayulu de se rencontrer. Hein, mais Mouzit et Fayulu sont à Kinshasa. Jean-Pierre Bemba a rencontré notre frère... Fayulu? Non, Fayulu était en voyage. Oui. Lorsqu'il a fait la remise de prise, j'étais présent, j'ai assisté à la remise de prise entre Fayulu plutôt Mouzit et Jean-Pierre Bemba. Mais chaque fois qu'ils se rencontrent, de manière informelle, ils ne sont pas obligés d'amener toute la presse. Mais pas de tweet, c'est quand même bizarre. Des tweets? Pas de tweet, pas d'encouragement, pas de Je monde bienvenu. Je suis désolé de vous dire, par exemple, qu'ils sont en contact permanent. Vous savez, je vais vous dire une sorte d'anecdote. Lorsque je discute avec Jean-Pierre, parfois lorsque je discute avec Moïse, il me dit « Mais toi, hier, tu as dit à Jean-Pierre ceci. » Ou bien si j'ai quelques bisbilles, parce qu'il y en a là avec Jean-Pierre, c'est peut-être Moïse qui m'appelle, dit ce que tu as dit, ce que tu as fait là hier avec Jean-Pierre, c'est pas bon, je suis pas content. Donc, ils sont en communion parfaite. Oui, mais ça, c'est Jean-Pierre et Jean-Pierre Bemba. Je voudrais savoir si Fayulu et Bemba, c'est la même chose. Mais ils sont même voisins. Vous savez que Jean-Pierre connaît Fayulu depuis très longtemps. Très longtemps. Très bien. Donc du coup, on va comprendre que la MOUCA est toujours au bon endroit. Mais le problème, c'est que vous voulez transformer la MOUCA en un parti politique. Pas nous, vous. Non, la MOUCA, c'est une plateforme politique composée de partis politiques, voire même des regroupements indépendants. Moïse Katumbi est aujourd'hui en train de mettre en place un grand parti qui s'appelle Ensemble, qui est composé, qui a à sa base plusieurs partis. Donc, il s'organise à cet effet. Tout comme Fayulu est d'abord président de l'ECID et Mouzitu est des Nouvelles Élans. Jean-Pierre Bemba se consacre aussi à la consolidation et à la vitalité du MLC. C'est l'ensemble de ces forces-là qui constituent la MOUCA comme une plateforme politique qui veut que le Congo soit un état de droit démocratique. Pour Martin Fayulu, Félix Tshisekedi est incapable d'amener le pays au bon endroit, je dirais même qu'au développement et ainsi de suite, et que c'est à cause de la légitimité, de l'illégitimité si vous voulez, que les gens continuent à mourir à l'est du pays, et plus loin pour dire qu'il faut que l'Assemblée nationale, vous en tant que député, que vous puissiez destituer le président Félix Tshisekedi. Est-ce que cette décision a été discutée au sein de la MOUCA? Est-ce que Jean-Pierre Bemba a donné son point de vue sur la question? Est-ce que Katumbi a donné son point de vue sur la question? Ou Martin Fayulu l'a dit en tant que président de l'ECID et ça n'engage que lui? Je vous ai dit au départ que le fait d'être parti membre de la MOUCA n'empêche pas les partis d'exister. Il n'y a jamais eu dissolution du MLC ou encore des autres partis. Moi, par exemple, Jacques Ndioli, je ne participe pas nécessairement à toutes les réunions de la MOUCA. Je suis d'abord membre du MLC. Donc, les décisions de la MOUCA, je les ai par l'intermédiaire de mon président et de mon secrétaire général. Donc, le président Fayulu a une idée, mais la Constitution lui garantit la liberté d'expression. Qu'est-ce qu'il en reste encore dans la MOUCA aujourd'hui? La MOUCA, c'est le peuple congolais et la volonté de changement. Et je crois que la MOUCA a réussi à contraindre les pouvoirs politiques congolais à voir l'alternance. N'oubliez pas que Félix Tshisekedi est fondateur de la MOUCA et que le mot, la dénomination la MOUCA, c'est Félix Tshisekedi qui l'a donné. Donc, c'est lui le fondateur de la MOUCA, mais qu'il est parti. Est-ce qu'il est parti avec l'âme de la MOUCA, peut-être? Il est cofondateur de la MOUCA. Très bien. Donc, il a participé à l'émergence de cette idée.
Très bien. Voilà. Alors, monsieur le professeur Jacques Njoli, on va poursuivre cette émission. Maintenant, prenons la troisième phase, qui est la plus, celle qui est dans l'actualité aujourd'hui. La question de Minembwe. Je commencerai d'abord par le MLC. Est-ce que le MLC discute sur l'intégrité du territoire congolais? Est-ce que vous avez la matrice, vous avez l'âme de cette république au point de dire telle frontière est à nous et comment vous réglez cette question-là? Quel est le point de vue du MLC sur la question des Minembwe et des Rutshuru, des Masisi et des bien d'autres? D'abord, je voudrais vous dire que le MLC, dès cette par cette dénomination, c'est un mouvement de libération du Congo. Il y a des gens qui ont pris des armes pour libérer les Congos de l'occupation. C'est ça l'esprit du MLC. Et ces combats de libération, ça fait 22 ans que l'MLC mène. Ça nous a conduit à la libération physique de ces territoires. Ensuite, nous battons pour la libération politique et économique de notre pays. Ça, c'est de un. De deux, la question de Rutshuru, des Minembwe ou des pays qui... C'est vrai que notre bande orientale est aujourd'hui dans un état de fragilité, de vulnérabilité, mais il ne faut pas croire que l'ensemble du pays ne doit pas nous intéresser. Vous savez, nous avons eu la grave crise de Kamena-Nsapu. C'est au centre du Congo. Nous avons eu la crise des Enyele. À l'Équateur. À l'Équateur. Nous avons eu la crise de Bundu-Dia-Congo dans le Bas-Congo. Et même la crise de Makata-Katanga aussi. Donc, ouais. Il y a un problème global de la gouvernance sécuritaire de notre pays. Et c'est sur ces points-là qu'il faudra travailler. Les cas que vous citez là ne sont que les expressions de cette faillite globale de notre système de sécurité nationale. Et cette faillite, il paraîtrait que vous êtes aussi comptable. Vous avez été porté par le Burundi, pardon, par l'Ouganda, qui vous a amené au Congo. Quelle a été la facture de l'Ouganda? Qu'est-ce que vous avez en contrepartie promis à l'Ouganda en vous amenant au Congo? Mais si vous savez quelque chose que nous appelons que l'MLC, mouvement militaire à première l'Ouganda, dites-moi. Mais vous n'allez pas quand même être accompagné par un pays sans contrepartie, sans promesse. Ce n'est pas des bontés des cœurs qui vous ont accompagné l'Ouganda, ici. L'Ouganda, dans l'accord de soutien que nous avons eu avec l'Ouganda, est venu soutenir l'MLC dans un cadre très clair parce que la sécurité de l'Ouganda était menacée par les forces qui ont considéré le Congo comme leur base arrière. L'ADF Nalu dont on parle aujourd'hui, c'est un mouvement tablique, intégriste, qui était dirigé contre l'Ouganda. Et l'Ouganda devait avoir des partenaires pour, n'est-ce pas, combattre ce mouvement à la source. Donc, avec l'Ouganda, nous avions eu un accord de partenariat politique et militaire et qui s'est arrêté à partir du moment où l'intégrité du territoire de la RDC a été rétablie, n'est-ce pas, à San City. On ne dirait pas qu'ils sont le premier exportateur de l'or alors qu'ils n'ont pas l'or chez eux. Mais à l'époque du MLC, nous n'avons jamais permis à l'Ouganda d'exporter de l'or. C'est aujourd'hui que l'Ouganda exporte de l'or. L'MLC n'a plus la gestion du pouvoir de ces pays. Vous n'aviez pas des généraux, disons des militaires ougandais dans votre armée? Jamais. L'ALC, l'armée de libération du Congo, avait ses propres généraux. Et je salue sur la mémoire du général Mustapha qui est mort. Je salue la mémoire du général Bahouma. Je salue la mémoire du général Mamadou. Ce sont le fruit du MLC. Même là, Mamadou Ndala. Mamadou. D'accord. Même aujourd'hui, le commandant général de la police nationale, le général Amouli, sont les militaires que l'MLC a donné à la République. Avait-il été formé? Pardon? Avait-il été formé? Était-il formé? Le général Amouli? Non, tous les généraux dont vous... L'MLC avait une très bonne école de formation d'officiers qui était déjà à Lissala. Et nous avions une coopération pour former des officiers en Ouganda, mais surtout l'MLC avait pu récupérer la plupart des officiers FARDC, ex-phase, qui étaient à Brazzaville ou ailleurs. Et c'est cette matrice
phase qui a constitué, n'est-ce pas, la colonne vertébrale, et nous avons recruté des jeunes. Donc, nous avions la vocation, la volonté de construire une armée nationale, un groupe armé, et lorsque nous les avons mis à la disposition de la République, eh bien, ils s'acquittent encore avec beaucoup d'abnégation de leur mission. Qu'est-ce que vous en savez sur la question de Minembwe? Cette question dérange les esprits. On parle d'une sorte d'occupation congolaise par le Rwanda. On parle d'une sorte de caporalisation de la politique congolaise, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en savez sur la question de Minembwe? Bon, vous savez, les questions aussi sérieuses ne doivent pas faire l'objet de passions dévergondées. Nous comprenons la douleur du peuple congolais, mais nous, en tant qu'élite, nous devons faire un effort pour ramener les choses à leur juste mesure. La question des Minembwe, c'est une aberration juridique. J'attends parler de la commune rurale de Minembwe. Je vous convie à lire les ouvrages du professeur Vundwawe ou deux autres collègues, Yuma ou Mboko. La commune rurale n'existe pas en droit congolais. Ah bon? Ça, c'est la première des choses. D'accord. Donc, une commune, si vous prenez l'article 46 de notre constitution. D'abord, vous prenez l'article 3 de notre constitution. L'article 3. Oui. Les provinces et les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont la ville, la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques. La composition, l'organisation, le fonctionnement de ces entités territoriales décentralisées, ainsi que leur rapport avec l'État et les provinces, sont fixés par une loi organique. Très bien. Donc, la commune, il y a quatre entités décentralisées. Oui. La ville, la commune, le secteur et la chefferie. Donc, est-ce qu'on a parlé des communes urbaines là-bas ou des communes rurales? On a parlé non. De ça. Okay. Alors, maintenant, il dit qu'il faut une loi. Cette loi, nous l'avons élaborée en 2008. C'est la loi organique numéro 08/016, portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales. À l'article 46, on définit ce que c'est une commune. Il faut attendre par commune tout chef-lieu de territoire. Par exemple, Bandaka? Non. Bandaka, c'est chef-lieu de la province. Ah, c'est une ville. Ah, d'accord, ok. La commune, maintenant, c'est le chef de territoire. Par exemple, Bokungu, chef-lieu, la cité de Bokungu, est transformée en commune. C'est-à-dire que les anciennes cités sont transformées en commune. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, toute subdivision de la ville. Par exemple, la ville de Boindé, à deux communes, la commune de Boindé et la commune de la Chuapa. La ville de Kinshasa, tout en état province, est divisée en 24 communes. La ville de Mbandaka, que tu connais, a deux communes. Deuxième possibilité. Troisième possibilité, toute agglomération ayant une population d'au moins 20 000 habitants, à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré les statuts de commune. Ces décrets pris sur proposition du ministre de la République ayant les affaires interdites, après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce qui s'est passé? Après cette loi, nous avons eu le Premier ministre Mouzitou qui avait écrit à l'ensemble, n'est-ce pas, de gouverneurs pour que les assemblées provinciales puissent débattre de la création de communes et des villes dans leur province. Et ces décrets, à l'issue de ces consultations, il y a eu un avis conforme. Ça, c'est l'avis conforme de l'Assemblée provinciale du Kivu, du Sud Kivu, du 7 octobre 2008, qui propose pour les agglomérations
à ériger en ville et en commune dans la province du Sud-Kivu. Dans cette recommandation, il n'y a pas la commune de Minembwe. Il n'y en a pas. Mais malgré cela, lorsque le premier ministre Matata publie les décrets en 2013 conférant les statuts de ville et de commune de certaines agglomérations de la province du Sud-Kivu. La ville de Minembwe figure. Figure. Ouais. Or, vous avez bien dit qu'il faut un avis conforme, c'est-à-dire qu'un avis qui vous lie. C'est Matata qui crée cela dans son décret. Il se pose des problèmes. Nous, au Sénat, nous convoquons le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre pour dire la confusion créée par ces décrets qui créent des villes qui n'obéissent pas aux conditions de l'urbanité. Donc, une agglomération, c'est un concentré d'immeubles bâtis sur un espace qui obéit aux conditions d'une ville ou d'une commune. C'est-à-dire qu'il faut avoir des égouts, il faut avoir des équipements. Donc, vous n'allez pas prendre un espace de cases pour dire que c'est une ville ou c'est une commune. La commune rurale n'existe pas. La commune, c'est une entité urbanisée. J'espère qu'on s'est compris. Alors, il y a alors une décision en deux. Un décret qui porte sur séance de l'exécution de certaines dispositions de ces décrets du 13-020, n'est-ce pas, du 13 juin 2013. Donc, sur demande du gouvernement et du Sénat, il y a sur séance. 2015, il n'y a rien. En 2017, le Premier ministre Bruno Tshibala. Revient sur la décision de Matata Ponyo. Matata Ponyo. Et, de ce fait, on retrouve la fameuse commune. Et le Premier ministre prend un décret du 30 mai 2018 portant levée de la surséance des dispositions, notamment du décret du 13 juin. Donc, en 2018, nous sommes en pleine période électorale. Et le même jour, le 30 mai, ils prennent un arrêté interministériel signé par deux ministres de l'époque, donc le ministre Mova, pour nommer des bourgmestres. Nous sommes en 2018. Et là, ça se passe, mon cher ami, en pleine période électorale. En pleine période électorale. C'est-à-dire, nous sommes au septième jour de la campagne électorale. Vous voyez l'orientation clientéliste, électoraliste de ces options-là. Donc, toujours sans avis des provinces. Sans avis des provinces. Avis conforme. Oui, sans avis conforme. Donc, de la province. Et le gouverneur, le commissaire, on nomme le bourgmestre de la commune de Minembwe, qui est Munyamulenge, et son adjoint qui est d'une autre tribu. Mais ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes, mais il travaille sans avoir été installé. Maintenant, le problème qui se pose en 2020, c'est que on y va installer ces bourgmestres de la commune sur une commune qui a des litiges de frontières. C'est-à-dire, cette commune rurale n'est pas une agglomération. C'est un territoire qui prend une partie du territoire d'Ouvira, une partie du territoire de Mwenga et une partie du territoire de Fizi. Et qu'en plus, on intègre dans ce territoire la réserve naturelle d'Itombwe, où non simplement nous avons des espèces rares, mais il y a énormément de richesses qui sont exploitées de manière anarchique. Et sur ces territoires, il y a plusieurs groupes armés et il y a une tension. Donc, les contextes ou l'opportunité de cette démarche posent problème. Alors, on se pose la question. Comment le ministre de la Défense, les ministres de la décentralisation, les chefs d'état-major, l'ambassadeur, les ambassadeurs vont installer un bourgmestre alors que la République démocratique du Congo compte plus de 267 communes dites rurales, qui est une absurdité. Donc,
Voilà la situation. Est-ce que c'est une voie? Est-ce que c'est, vous voyez-vous là une main noire du Rwanda? Non, je ne veux pas me mêler de cette supposition. Moi, je vois tout simplement un dévoyement de nos règles. Vous dites dans une interview, c'est une désorientation de loi. Une désorientation manifeste, oui. Parce que, un, l'Assemblée provinciale n'a jamais donné son avis pour des raisons de sécurité, parce qu'il fallait revenir à des limites normales. Deux, quand on parle d'une agglomération, ce n'est pas un amas de villages, des espaces habités, c'est une agglomération. En fait, le droit administratif, c'est un droit pratique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que pour être une commune, il faut être le chef-lieu d'un territoire. C'est que Minembwe n'est pas... Le territoire de Minembwe n'existe pas. Deuxièmement, c'est une agglomération. Le mot agglomération vient du latin agglomeratio. C'est-à-dire que c'est une agglutination de personnes. Il faut 20 000. Et qu'il y ait des conditions de mixité, des conditions d'équipement pour ériger cette agglomération en commune. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et en plus, cette commune rurale, une absurdité, occupe des territoires qui sont des chefferies, des sectes. Ce ne sont pas des secteurs, ce sont des chefferies. Or, les limites des chefferies sont fixées par la coutume. Donc, quand vous allez couper une partie d'une chefferie, vous créez des problèmes. À qui profitent ces désordres? Ben, à ceux qui veulent absolument se donner ou fabriquer un territoire fictif. Est-ce que les... Parce que sur cette terre vivent plusieurs communautés, Bafuliro, Babembe et les autres. Et je crois qu'il faut non pas jeter de l'huile au feu, mais d'abord répondre à la question sécuritaire sur la multiplicité de groupes armés qui opèrent dans cette zone, le Goumino et les autres. Goumino, ça veut dire nous y sommes, nous y resterons. Il y a les autres groupes tribaux qui ont créé aussi leur milice. Il y a les braconniers congolais, les groupes burundais, ougandais. En fait, Christian, la question essentielle, c'est celle de la gouvernabilité de notre espace. Alors, donc, si vous n'êtes pas capable de protéger votre espace, ben, on va vous le prendre. Non, on ne va pas vous le prendre. Il y aura toutes les convoitises, surtout s'il y a de l'or, s'il y a du coltan, s'il y a des possibilités de tourisme. La zone de Minembwe, ce sont des paysages d'élevage qui vont des milliers, mais au-delà de cela, des richesses touristiques incommensurables. Pourquoi il y a même du pétrole. Vous savez, cette zone se trouve à la confluence du lac Kivu et du lac Tanganyika. Donc, ce sont les hauts plateaux. Il appartient au gouvernement congolais d'assumer sa responsabilité. Est-ce qu'on peut parler de la responsabilité sans parler de la nationalité? Félix Tshisekedi, à Londres, dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Les gens l'attaquent, les gens l'insultent, on les traite de traîtres. On dit qu'il a trahi le pays, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Historiquement ou juridiquement, qui a tort et qui a raison? Qui non, sont les Banyamulenge en réalité? Écoutez, la question de nationalité est résolue par la constitution congolaise. Ce n'est pas... L'article 10, vous voulez dire. Oui, voilà, lisez l'article 10. L'article 10, alors, l'article 10, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Oui. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Oui. Est congolais d'origine toute personne appartenant aux groupes ethniques dans les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo à l'indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance, d'acquisition, de perte et de recouvrement de la nationalité congolaise. Donc, la question de la nationalité, c'est une question de souveraineté. Ce n'est pas une question d'administration. Il y a, au ministère de la Justice, une direction qui s'occupe des questions de nationalité, qui octroie les certificats de nationalité. Donc, il faut appliquer la loi. Mais quelle loi? Parce que, je vous emmène, professeur, sur la question. On dit que toute personne appartenant aux groupes ethniques dans les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo. Pouvez-vous nous expliquer juridiquement, avec la lumière de la Constitution, qu'est-ce que la Constitution entend par
les personnes et les territoires constitués. Parce que le problème, ici, pour les gens, ethnie et territoire. Les Banyamulenge, on dit que ce n'est pas une ethnie au Congo. Le territoire de Minembwe n'avait jamais existé avant. Alors, non, les territoires de Minembwe, comme espace, fait partie de l'espace congolais. Dans le territoire dont on parle, c'est par rapport à l'espace. À l'espace. Très bien. Alors, l'ethnie, alors l'ethnie, Les ethnies qui sont à l'est de la République démocratique, qui sont connues. Les Banyamulenge ne sont pas une ethnie. Les Banyamulenge n'est pas une ethnie, mais il y a des Banyarwanda. Oui. C'est ça le concept. Oui. Mais en parlant de Banyarwanda, ça a l'impression que c'est ça te renvoie au Rwanda. Au Rwanda. Mmh. Alors que, en fait, M. Guissaro a fait entrer son groupe dans une identité douteuse pour rien. Si ce sont les habitants de Mulenge, mais on les appelle Banyamulenge. Mais en fait, les ethnies qui sont à l'est, que ce soit le Hutu ou peut-être aussi les Tutsis, parce que si elles sont là depuis 1960, ben elles sont congolaises. Donc, moi, je veux pas sur la liste des ethnies. Non, je voudrais, on n'a pas les Tutsis, on n'a pas les Banyamulenge. S'il vous plaît. J'ai dirigé un mémoire qui a été transformé en livre de M. Mutamba, qui parlait de la nationalité multiple. La question de nationalité, des types ethniques, est pour moi une question zoologique. Les gens comme les Allemands qui ont refusé pendant très longtemps que tous ceux qui n'avaient pas un ascendant allemand ou autre ne pouvaient pas devenir allemand ont évolué. Vous allez en Belgique, vous prenez la nationalité belge, vous pouvez participer aux élections, devenir premier ministre ou autre. La question de la nationalité, c'est une question juridique qui est basée sur les textes. La question qui se pose aujourd'hui, c'est la gestion des espaces occupés par plusieurs communautés. Comment on règle ça? Il s'agit d'un problème d'État. Comment on règle la question? Mais c'est comme il y a le problème où on parle de Kassaïens et des Katangais. Il faut savoir bien vivre ensemble. La mission du droit et du droit constitutionnel, c'est l'organisation du vivre ensemble entre nationaux, étrangers, autochtones et halogènes. Mais quelle est la position de la Mouka sur la question de Banyamulenge? Parce que Martin Fayulu a été clair là-dessus. Oui. Martin Fayulu a dit lors de son allocution, son discours, il a dit que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Mais écoutez, ça c'est la Mouka qui. Je voudrais pas m'engager dans ces débats-là. Je crois que la meilleure approche, c'est ce que a donné le chef de l'État, que nous puissions aller résoudre la question de la commune de Minembwe, si elle remplit les conditions d'être commune, oui ou non. Est-ce que le président a droit d'annuler là, tout ce qui a été fait? Parce qu'il a dit qu'il a annulé tout a été fait. Est-ce qu'un acte juridique peut être annulé par une parole? Le président a demandé qu'on puisse sursoir à cette décision-là en attendant qu'il y ait une commission. Je crois que son appel, c'est un appel au calme d'abord, et que nous puissions régler la question, pas des habitants de ces zones-là, mais la question de la commune de Minembwe. Est-ce que Minembwe répond aux conditions pour être une agglomération qui peut être transformée en commune? Ça, c'est la première question. Deuxième question, quelles sont les limites éventuelles de cette commune au regard du droit des autres communautés et des chefferies? N'oublions pas que dans cette loi, nous avons dit à l'article 46, et c'est clair, je préfère lire, la commune est subdivisée en quartiers et ou en groupements incorporés. C'est-à-dire que si vous allez à Maluku, ce qui est une commune dans la ville de Kinshasa, il y a encore quelques groupements incorporés comme le groupement de Kingakati ou tel autre groupement. C'est-à-dire où les gens sont encore gérés comme de groupements. Mais tout comme ici à Lingwala, il y a un groupement de Ntorontoro derrière le palais du peuple et les autres là-bas. Donc où il y a un chef coutumier qui est là. Mais en principe, la commune est divisée en quartiers. Ce n'est pas une agglomération des villages et autres. Mais nous avons dit que la
Toutefois, les chefs-lieux des secteurs et des chefferies ne peuvent être régis en commune. Donc, il faut faire attention dans ce travail technique sur le droit des chefferies coutumières qui sont là. Une agglomération, ça peut naître dans une zone. Vous prenez par exemple les cas de Loufou. Loufou, c'était un poste frontalier. Mais aujourd'hui, Loufou est en train de prendre de l'importance. On va voir les bureaux de la DGDA, de la bureau de l'OCC, de l'OGFREM. Ce qui fait que Loufou ne sera plus un village. Si Loufou atteint 20 000 habitants, Loufou pourra devenir une commune. Mais il faut faire attention aux limites de cette commune et surtout aux droits des territoires qui sont environnants. C'était riche pour nous d'apprendre tout ça. Mais alors, ça c'est une question polémique à laquelle vous n'adhérez pas généralement, mais je la pose quand même. Oui. C'est la position de la PARECO qui réaffirme avec force que le vocable Banyamulenge est une invention des lobbies Tutsi rwandais et que la prétention de cette communauté de réfugiés rwandais au Congo à s'autoproclamer congolais est une imposture et constitue donc une provocation. Ben, moi je veux pas aller dans la provocation. Je crois qu'il y a un mois ici à l'hôtel Pullman, oui, j'ai vu la sortie d'une mutuelle de Congolais d'origine Tutsi. Oui. Je n'ai pas suivi de contestation. Ce qui est bizarre, donc tout le monde... voilà, donc beaucoup de monde, oui, c'est qu'on a reconnu que cette communauté existe, la communauté Tutsi du Congo, ils ont droit à la vie, qu'ils viennent il y a 2000 ans ou 3000 ans ou comment, ils ont droit à la vie parce qu'ils ont choisi le Congo ou ils sont nés au Congo, mais la question c'est organiser le vivre ensemble dans le respect mutuel, prof, dans une commune qui peut ne pas exister. Prof, vous allez regarder la caméra, deux petites questions. Oui. Seriez-vous à l'aise de savoir qu'un Tutsi dirige le Congo, devient président lors des élections? Mais je ne suis pas dans la fraternité animale ou zoologique. Aujourd'hui, des États comme les États-Unis d'Amérique, et ça je parle du fond de moi-même, ont été dirigés par un Kenyan. Parce que le père d'Obama est Kenyan, sa mère est musulmane américaine. Il a dirigé avec beaucoup de brio. Soit la question qui se pose chez nous, c'est le loyalisme qu'on a vis-à-vis de la nation, quiconque soit. Donc, je n'ai pas des a priori. Et lorsque nous regardons les Congolais qui sont aujourd'hui en Belgique ou ailleurs, qui prennent la nationalité de ces pays, ils ont le droit d'évoluer. Je crois qu'il ne faut pas tomber dans la passion, il faut rester rationnel. Le Congo est-il occupé par le Rwanda ou infiltré par le Rwanda? Si le Congo est occupé par le Rwanda ou par l'Ouganda ou les autres, ce n'est pas un problème de ses voisins, c'est notre problème à nous d'être capables de protéger nos frontières, de connaître qui est Congolais, qui n'est pas Congolais, avec un recensement et d'assurer le bien-être du Congo. Nous sommes occupés, oui ou non? Si vous ne protégez pas votre frontière, les gens vont passer comme ils veulent. Ils vont venir vous voler votre or, voler vos filles, violer vos filles. Et c'est la situation qui est là. Donc, ce n'est pas un problème du Rwanda. Ce n'est pas un problème de l'Ouganda. C'est un problème d'être un État capable de protéger ses frontières et d'assurer le bonheur de ses enfants. Pourquoi Roubaix-Roy est toujours ministre de la décentralisation? Pourquoi pas un autre ministère? Il faut demander aux amis du FCC et à leur autorité morale qui désignent les gens pour occuper les postes. Merci beaucoup, honorable Jacques Njoli. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie. Je m'en vais déjà lire et intérioriser ce consensus, parce que je vous avoue que j'avais combattu ça déjà. Oui, j'ai vu ce que vous avez dit parfois, mais il faut toujours
venir vers la source, ça, voilà. Vous êtes maintenant que j'ai la source, je vais lire et on va faire une autre émission. Avec beaucoup de plaisir. Merci que ce soit moi ou que ce soit Patrick Mouyaya ou que ce soit Félix Alos Sanga ou Claudel Loubaya ou professeur Mukoko Samba. Mais nous avons passé et nous continuons à passer des moments très intéressants. Merci. De partage entre Congolais. Merci de répondre favorablement à mon émission malgré mes critiques. Merci beaucoup en tout cas. Mesdames et messieurs, c'était un grand honneur de retrouver le professeur Jacques Njoli. Je laisse le plateau ouvert pour tout le monde, donc je vous retrouve très prochainement. Portez-vous bien, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément, la carte de Washington. Balobi, maman Marthe, né. Maman Marthe, né. Balobi, shop, Africa Union. Mais quand t'es un gnosso, il y a un yo congolais. On y dit, mais qu'on a yo, à ça, il s'agit de te. Pour la Corée, la yo, comme avant de la yo. Pour la Toto, la yo, comme il y a les. Pour avant de la yo. Balobi, bio. Bio Africa Union et toi t'es tout à fait sinon vous voyez pas sinon vous voyez ni mon Debout congolais, unis par